Je m'étale quand je viens sur ce spot, le sac à macro si jamais j'en fais. Ma Ilex Shore Launcher, 2,70 m parce que voilà, il y a de l'aplomb, donc si jamais je dois échouer un poisson, etc., vaut mieux un peu de longueur. Bon trépied, mon sac à dos qui est vide, mon drone au cas où, une boîte remplie de jig, ma boîte méo qui me suit partout du bord en général. Ma superbe boîte plano Edge, je pense qu'on peut rouler dessus, elle ne cassera pas. Un gros défaut, entre guillemets, qui peut n'en pas être un, au contraire. Quand on pêche en bateau, en kayak ou des spots comme ça où on n'a pas besoin de crapahuter après, c'est qu'elle est lourde, mais elle est très 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 résistante, vraiment, et on l'ouvre d'une main. C'est vraiment une boîte de top qualité, tout est ajouré pour que l'air passe, il y a un aspirateur d'humidité, donc c'est vraiment une superbe boîte, mais pour les pêches itinérantes du bord, etc., je la prends pas en général. Ouais, c'est vraiment une boîte qui est dédiée à ce spot là. J'aime de plus en plus être léger sur les pêches de crapahutes de itinérantes où il faut se déplacer de 15-20 mètres par-ci, 15-20 mètres par-là. Enfin voilà, vous avez bien compris. Je vais commencer avec de la vibration assez douce, super spindle 5 pouces. Je préfère commencer doux et monter ensuite et agresser après que l'inverse. C'est ma manière de fonctionner en général. Je préfère faire comme ça, peut-être à tort. Mais c'est ma manière de fonctionner. Je me dis que s'ils sont actifs, passer enfin, sur une vibration douce, on va quand même en faire moins que si on les agresse. Et s'ils sont pas actifs et passer un truc trop agressif qui les dérange, je risque de les faire fuir de la zone. Donc voilà pourquoi du comment. Comme vous pouvez le voir, spot 5, 6, 7 étoiles, 10 étoiles, 15, 20 étoiles, 30, 40 étoiles, je sais pas. C'est pas notable, on va dire, alors. Ouais, c'est ça. Ah, il y a des oiseaux qui passent très haut, là. J'arrive pas à les repérer, ce que c'est. Très bel oiseau. Ils sont en V, comme volent les canards à les oies, mais c'est pas ça. Je sais pas. Très, très beau. Et go, hein, c'est parti. Je vais faire le premier lancer directement avec vous, la famille. Allez, petit super spindle 5 pouces. Bon, il y a un petit peu de vent, donc je vais descendre par rapport à la... à la hauteur d'eau, sinon le vent il aura trop d'emprise sur mon leurre et je suis pas pêchant et j'aime pas ne pas être pêcheur. Je vous dis souvent que la pêche pour moi c'est le poisson, c'est la cerise sur le gâteau, mais j'essaie quand même de mettre tous les ingrédients pour en faire. Je prends ça un peu comme un sport et un amusement en même temps et un énorme plaisir avec ou sans poisson. Mais si j'arrive à rentrer du poisson et que j'ai réussi à faire les bons choix dans ma session, c'est hyper gratifiant. Vraiment, ça fait hyper plaisir. Donc on verra si ce soir-là, je vais réussir. Est-ce que je vais réussir? Vous mettez pause sur la vidéo et dans l'espace commentaire, vous marquez « Oui, tu vas réussir. Non, tu vas pas réussir. » On se retrouve en fin de vidéo, même si je fais bredouille, pour le verdict de la session. L'heure, je l'ai laissé très peu descendre. Ça sert à rien que j'aille à mi-hauteur ou au fond. Ça se peut que les poissons soient vraiment entre deux eaux. Donc pareil, si je passe le tresse, le fleureau devant eux, et, enfin surtout la tresse, c'est inutile. Je vais déranger les poissons que je vais potentiellement pêcher.
Donc là j'ai fait une première animation à 2-3 mètres sous la surface. Et je descends au fur et à mesure en fait. Méthodiquement. Méticuleusement. Méticuleusement. Ah, on est bien à la pêche quand même, hein. J'espère que ça vous fait toujours autant plaisir de m'accompagner comme ça là. Des moments de pureté. Pureté de bonheur, de pureté de plaisir. Bon, les trêves de blabla, c'est reparti, là je me relance dans mon dans ma poésie. Je vous retrouve pour les premières péripéties. Ça marche les amis? Bah, je vous dis à tout de suite, j'espère, ça serait bien à tout de suite. Quand j'étais en train de m'endormir sur mon petit rocher, en contemplant ce qui se passe partout, j'ai eu la première touche. 21h05. 45 minutes avant d'avoir le premier signe de vie au bout de ma ligne. J'ai mis un casting jig. 21h05. Ah super, j'en ai deux sur le même jig. Ah là, c'est deux macros. Si j'en avais eu qu'un, j'aurais remis à l'eau. Et vu qu'il y en a deux, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Allez. Deux assistes hook. Ça fait double. Ouais. Deux macros. Hyper frais pour mes enfants. Déjà un chacun. Ça c'est bon pour leur santé ça. Riche en oméga 3. Riche en protéines. C'est un très bon poisson. Mais pareil avec modération. Une heure et demie de pêche les amis. Deux macros et quelques touches. J'ai essayé plusieurs leurs soupes, etc. Ça donne pas pour le moment, c'est comme ça. Par contre, j'ai eu un magnifique balai de dauphin quasiment en arrivant. Et c'est ça ma grosse frise de la session. Ça fait longtemps que je me disais, si un jour j'ai un drone et que je vois les dauphins avec l'eau éclair, j'enverrai le drone au-dessus d'eux et je les verrai nager, tout ça. Et hasard du sort, c'est un soir où j'ai pris le drone. Je sais pas pourquoi. Et comme par hasard, à peine arrivé, j'ai eu le temps de lancer le drone. Enfin, vous avez vu les images, il y avait un banc de 5-6 dauphins. Et en fait après en ramenant le drone j'en voyais d'autres, donc j'ai refilmé d'autres dauphins, en fait ils étaient plusieurs. Et là ils viennent de repasser il y a pas longtemps. Est-ce que c'est ça qui fait que ça mord pas trop? Moi j'y crois pas trop au niveau des dauphins par chez moi en tout cas. Quand il y a le phoque, je change de spot. Quand il y a les dauphins qui passent, ça peut freiner la touche pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais le poisson revient, le dauphin est en mouvement. Donc mon plus gros bar de ma vie, je l'ai fait un jour où il y avait les dauphins pendant quasiment une heure. Et beaucoup de dauphins. Et j'avais fait une belle session, il y avait eu une accalmie quand les dauphins étaient là, mais j'avais fait le plus gros bar de ma vie et c'était le 19e ou le 20e de la session. Donc ça veut pour moi rien dire en tout cas. Le phoque ici, oui. Quand je suis sur l'île de Saint, le phoque veut pas dire grand chose, qu'il y en a tellement, donc les poissons ils ont appris à vivre avec aussi. À chasser en même temps que lui et pas à se faire chasser. Mais bon, c'est comme ça, je vais encore insister. Le soleil n'est pas encore couché, je vais pense pêcher jusque la nuit. Et en espérant rentrer un bar ou deux. Si jamais je fais pas d'autres poissons, j'avais fait une session il n'y a pas très longtemps ici au lever du jour et j'avais fait quelques poissons et donc je vous les mettrai tout simplement histoire que ce soit une vidéo un peu plus garnie, mais c'est aussi pour montrer que la pêche n'est pas tout le temps de la réussite, tout le temps du poisson, loin de là. Et heureusement, parce que si c'était de l'acquis, on aurait beaucoup moins de désir, beaucoup moins de passion, beaucoup moins de plaisir. Allez, trêve de blabla en espérant qu'il y ait d'autres péripéties qui se passent avant la fin de cette superbe session, malgré qu'elle soit entre guillemets pauvre en poisson.